Et salut à tous, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la suite de ce mode carrière avec l'URC France, notre club créé. Et nous avons des matchs décisifs puisqu'on avait fait 2-2 contre le PSV Eindhoven en Europa League au match aller. On va jouer le match retour et nous aurons de très gros matchs, notamment le PSG à l'extérieur. Et je vais simuler un des deux matchs contre Lens ou Strasbourg selon l'équipe qui est la plus loin dans le classement. Comme ça on terminera dans cet épisode par l'Olympique Lyonnais et on finira ce mois de mars. Ça sera pas mal d'avancer un petit peu plus vite. Allez, c'est parti, on va y aller tout de suite. Pas de choses à faire. Nous avons l'équipe type qui est au complet et qui est surtout en forme. Ça, c'est très important. Donc, c'est parti pour cette rencontre. Pas de neige, c'est bon. Allez, c'est parti. Nous sommes donc à domicile pour affronter le PSV Eindhoven. On avait fait un bon match nul, 2 buts partout à l'aller. Le problème, c'est qu'on menait 2-1. Donc, dans la physionomie du match, on aurait dû s'imposer. Mais bon, si on regarde ce résultat d'un œil objectif, eh bien, c'est quand même un bon résultat là-bas maintenant. Il suffit qu'on marque pour se qualifier. Allez, le coup d'envoi qui est donné par Wai. Voilà, la garde qui décale avec Collins qui va monter un petit peu pour apporter le surnombre. Solé, même chose pour lui. Santa Maria, Bellocci qui est un petit peu seul. On va essayer de la mettre à Wai. Il est bon ce ballon pour Wai qui a tiré. Oh là là, la relance. Oh, dommage, Bellocci en 3 occasions. Oh là là, dommage. Quel dommage. L'erreur de la relance. Wai qui va être servi. La talonnade de Wai, c'était limite. Mais c'est passé. C'est un match assez ouvert pour l'instant. Ils ont leur incursion, mais ils n'ont pas trouvé la faille. Et ça, c'est pas mal avec l'appel de Bellocci. La remise pour Ferreira. La frappe de Ferreira, celle-ci. Il ne pourra pas aller la chercher. Pleine lucarne, 1-0 face au PSV Eindhoven. Et c'est mérité, hein, au vu des occasions. Ils ont tenté d'en avoir aussi avec des incursions, mais ils n'ont pas été précis sur la dernière passe. Alors que nous, c'était plutôt dans la finition, qu'on n'était pas bon. Enfin, en tout cas, pas réaliste. Ah bon, c'est un peu exagéré. Et là, elle était magnifique cette frappe. Comme souvent, notre numéro 10 qui était en attaquant. Allez, Santa Maria, ça c'est un bon ballon avec Wai. Ferreira, je vais pas trop attaquer. On va passer sur le côté gauche avec Abbé. Abbé, j'essaie de garder, conserver ce ballon. C'est important avec Ferreira. Maintenant Bellocci. Le contrôle Bellocci pour le deuxième but. Une sérieuse option sur la qualif avec ce but de Bellocci. Quel début de match! Franchement, je m'attendais pas à ça parce que quand c'est le premier match, en général, je suis pas très très chaud. C'est souvent les matchs que je rate dernièrement sur les épisodes précédents. C'était le premier match où je galérais. Et là, bah, écoutez, je suis content. Ça commence extrêmement bien. Mais bon, il reste beaucoup de temps encore. On va se méfier quand même de la réaction du PSV. Et Bellocci, il y a l'appel de Wai. On va être tenté de le servir en LBY. Wai, allez, le lob de Wai qui passe à côté. Dommage, je l'avais vu un peu avancer. Avec Maxi Romero, le ballon sur le côté, Madueke, gros danger. Côté PSV Eindhoven, et il va tenter de la mettre en retrait finalement. Attention, cette frappe, la réaction. Aïe, 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 j'ai pas pu dégager ça. Et c'est pas terminé du coup, avec ce ballon dans la surface, Maxi Romero, et Jaria, et c'est bon. Il y avait le retour de Ferreira, bien joué Ferreira, avec Abbé. Le ballon en profondeur pour Ferreira. Oh, Bellocci qui est seul. Ah, il y a un défenseur qui est venu sur lui et la tête, elle sera tranquille. J'aurais préféré plutôt un geste acrobatique, mais c'est la mi-temps et on mène 2-0 pour le moment. Tout va bien. Allez, Romagna, je vais la tenter, les gars. Je vais la tenter et elle est belle pour l'Iadji. L'appel de Wai. Bon, on ne pourra pas y aller trop en profondeur et finalement, c'était récupéré par le capitaine Rigaud. Les Desma, on va essayer d'empêcher ce genre de ballon. Attention, la sortie de Lele en deux temps, peut-être. Non. Ouf, heureusement que l'ordi était un petit peu bête, mais belle sortie de Lele, parce que là, c'était gros danger. On s'en est vraiment, vraiment bien, bien tiré de cette occasion. Santa Maria, le gros pressing du PSV Eindhoven. Est-ce qu'on pourra en profiter sur cette action? L'appel de Bellocci. Ah, ben, il lui a bien donné. Bellocci, le contrôle est bon. Et la finition, elle est bonne aussi. 3-0. Ah, ils étaient dans un plus gros pressing. Et ça, en général, quand tu commences à faire ça, c'est là où je suis le meilleur. C'est là que j'arrive à bien ressortir les ballons. Des fois, je prends des énormes risques, c'est vrai, dans les relances. Mais ça permet aussi de marquer ce type de but avec des contres sur des gros pressings.
et magnifique but de Belotti. Bon, contre le cours du jeu, hein, forcément, on était plus proche du 2-1 que du 3-0. Mais là, je pense qu'on vient de mettre un terme à cette... Enfin, la possibilité que le PSV Eindhoven revienne après plus d'une heure de jeu, ça risque d'être très compliqué pour eux. Les Desma avec Maxi Romero. Desma, il va tenter une frappe. Non, il va la donner. Et le heureusement qui lui tire dessus. A vraiment un problème de finition pour l'instant pour ce PSV Eindhoven. La dernière, les gars. La dernière, non. C'est terminé. Qualification tranquille face au PSV Eindhoven qui aurait mérité mieux quand même qu'un 3-0. C'est lourd pour eux. Mais on a maîtrisé ce match dans l'ensemble et par contre la victoire clairement on l'a mérité. On va regarder les stats. Voilà, 9 tirs à 4, vous voyez qu'on a été très. Même si on n'a pas la possession, on a bien dominé quoi. Ouais, non, on a Rennes en Europa League, donc ce que je vais faire, c'est que je vais simuler Strasbourg. Et puis on terminera par les matchs. Les 3 matchs là. On va terminer par Paris, Rennes et Lens. Du coup, on fera Paris, Rennes et Lens dans cet épisode. Bon, on finira pas le mois de mars. J'avais pas pensé que ça arriverait. Ça arriverait aussi vite l'Europa League. Donc allez, go simuler ce match-là. On va faire la simulation rapide comme d'habitude. Bon, du coup, on s'en fiche que les maillots soient blancs. Et on va voir ce que ça va donner. Eh bien, oh, on a perdu 2-1. On a perdu 2-1 contre Strasbourg. Bon, c'était un choix assumé de simuler. C'est pas grave. On va essayer de réagir assez vite. Bah, ça a recollé Paris au classement, au final. Allez, bah d'ailleurs, on a Paris qui arrive. On a Paris qui arrive. Nous sommes en retard, je sais. C'est quoi ? Renforcer les finances du club. Et c'est-à-dire, plus précisément, en l'espace de deux saisons, réaliser un bénéfice de 3 millions avec la vente de jeunes joueurs. Ouais, sauf que chaque fois, j'essaie de les vendre, mais les mecs, ils veulent pas partir. Bon, peu importe. Allez, bah écoutez, on va y aller, on va enchaîner sur Paris, qui sont juste derrière nous, avec ce match perdu. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose, d'avoir un résultat sur cette pelouse, avec toujours la compo bizarre hein, du côté parisien, Weindal notamment qui est MC et Caissier qui est en DG, merci FIFA, mais en tout cas on va y aller avec la compo par défaut, la compo type, c'est parti. Allez, nous sommes au Parc des Princes, ça va être un match très compliqué, bien sûr le PSG qui a fait un mauvais début de saison et qui est finalement est juste derrière nous, donc ils sont vite revenus. Nous sommes à la 27e journée et si on veut gagner le titre, eh bien c'est dans ce type de match qu'il faut être très bon. Parce que là, c'est un concurrent direct, bien sûr. C'est même le favori au titre, malgré leur début de saison compliqué. Mbappé qui va tenter plein de dribbles, qui va se retourner d'une manière assez rapide. J'ai eu peur, mais c'est bon. Avec Abe. Belotti, c'est pas facile de le servir ici. Ferreira Abe. Belotti qui s'est mis au milieu. Wahi, la frappe de Wahi, le poteau. Et il y a moyen que ce soit Rico aussi, qu'il ait repoussé. Toujours Sergio Rico dans les cages. Attention. Irving Lozano avec un centre. Il est seul. Il est seul, Neymar. La tête. Oh là là, la parade de notre gardien. Bien joué. Allez, attention à ce corner. Avec Neymar. Lozano. Ballon qui revient dans la surface. Caissier. Caissier. Ça sent mauvais. Ça va être compliqué à gérer. Ouais. En plus, il était pas hors jeu. C'est qui? C'est Hakimi qui a marqué? Ah ouais, totalement. Hakimi qui marque et qui ouvre le score pour le PSG, malheureusement. Assez dommage parce qu'on a eu pas mal de petites occasions là. Allez, on va essayer de réagir assez vite. Mais c'était chaud dans cette surface. On était mal organisé. Et puis là, regardez, il est arrivé tout seul. Hakimi, Romagna qui n'a pas suivi. Et Neymar pour l'instant qui nous embête. Avec le Parisien justement. Le buteur français, Lozano, le centre. Attention, il est seul et oui! Et oui, ils sont restés là, pas trop bouger. Ils y allaient pas franchement. Romagna et Solé. Alors ça, c'est le genre de but qu'il faut pas prendre, quoi. Weindal qui marque le deuxième. Oh là là. Ouais, j'ai dit les seuls, mais je voulais dire c'est le seul à bouger, quoi. Parce qu'il était pas seul du tout. Il y avait deux joueurs sur lui. C'est ça qui est hallucinant dans ce but qu'on concède. Et en plus, c'est Weindal, quoi. Voir le ralenti. Regardez, il est parfait le centre, mais pff, les deux, ils sont pas dans le bon tempo. Ils sont pas assez agressifs. Enfin, c'est vraiment un but à éviter, quoi. Solé, on va essayer de la mettre sur le côté droit. Le centre de Liadi. Il est bon, mais la reprise, je la voulais tout de suite. C'est pas fini. C'est hors jeu. Et le corner. Le corner qui va être frappé par le Brésilien Neymar à l'entrée de Denis Zakaria. Du coup, ils sont encore plus organisés, là. C'est pire. Même si Weindal avait marqué un but. Brozovic. Brozovic, attention, ils sont seuls. La frappe, c'était bien joué, Solé. Super. On va avancer au maximum. De toute façon, on perd 2-0. C'est pas grave. Allez,
Allez, encore. Oui, magnifique. Oui, il faut terminer. Voilà, le 2-1. Allez, la réduction du score, un petit peu d'espoir pour la fin de match. Enfin, Wally réalise un bon contrôle dans cette surface, parce que depuis tout à l'heure, je le servais dans des conditions un peu similaires. Bon, là, il était quand même très très bien placé, mais à chaque fois, il ratait son contrôle. Et là, cette fois, c'est bon. Sous la pluie, on revient dans ce match. Pas de changement pour l'instant. On garde les hommes que l'on a sur le terrain. Et vous avez vu que j'ai frappé assez fort pour pouvoir éviter l'arrêt du gardien quand même. Oh, l'appel de Bellucci, les gars. Le problème, c'est qu'en vitesse, ça va être compliqué. Il y a Wai qui est plutôt bien placé. Je vais la choisir en retrait vers Ferreira. Le sang-froid de Ferreira pour servir Wai. Et le deuxième but, l'égalisation. Ouf, allez, j'ai fait les bons choix. Et on a marqué très vite, finalement. Il va rester 20 minutes. Pourquoi pas? Pourquoi pas aller chercher plus? On va essayer déjà de rester à deux buts pour Paris, hein, de ne pas s'en prendre un autre. Mais on va tenter peut-être d'aller chercher la victoire, en tout cas. Le ballon retrait, alors j'ai eu peur que ça traversait un peu Hakimi, tant mieux. Je pensais pas que ça passerait comme ça. On va rester avec les meilleurs hommes, les gars. On va rester avec les meilleurs hommes. Et Neymar qui va choisir Zakaria. Mes joueurs, ils sont loin. Ils sont très loin des Parisiens. Le ballon pour Mbappé. La parade de Lolo cette fois. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Messi. Oh là là, Messi. Oh, c'est bon, je l'ai contré, mais c'est toujours dans les pieds de Marquinhos. Marquinhos, c'est le retour de Ferreira. Oh là là, quelle situation difficile à gérer là. Allez, on va y aller les gars. La dernière peut-être. Allez, ah, le ballon. Ah, je voulais me faire une dernière petite occasion. Et la passe, elle était dégueulasse. Mais bon, moi on fait match nul, 2 buts partout. Très bon résultat sur cette pelouse, surtout au vu de la physionomie du match. Mais ça nous maintient quand même devant le PSG. Et au vu de, ouais, non, au vu des 2 buts qu'on avait pris, franchement j'étais au fond du trou. On a réussi à revenir, c'est assez incroyable. Et le PSG qui a pourtant à dominer, ils n'ont pas été aussi efficaces que ça finalement. Une équipe qu'on connaît du coup en 8ème de... Ah, on n'est qu'en 8ème, je pensais qu'on était en quart. Mais c'est pour ça qu'il y a un match en mars encore en fait. Et oui, c'est vrai que c'était que le tour préliminaire là. C'est vrai que c'était que... Et au final, Chelsea... Ah, ils sont pas qualifiés, Chelsea, hein. Milan non plus. Monaco non plus. Bon, il y avait la Lazio et Séville, quand même. L'Ajax a gagné, Tottenham. Et l'Inter a gagné au tir au but. Mais sortie de Chelsea, bah, tant mieux, au final. Hein. Tant mieux. Je pense que Chelsea, ça aurait été relou. Fiorentina, Lazio. Il y a beaucoup de duels nationaux, hein. Il y a... Ouais, c'est assez bizarre. Mais bon, allez, on va jouer Rennes. Rennes qui joue en 4-4-2 à plat avec Golovin. Notre équipe qui est finalement en forme. Je pensais qu'il serait vraiment en méforme là. Mais par contre contre Lens, il faudra absolument faire tourner. Là je fais peu de changements parce que c'est des matchs décisifs bien sûr. Donc on repart avec l'équipe type. Allez, on a l'entrée version next-gen, la cinématique version next-gen avec notre stade. Et les supporters qui sont là pour venir voir le club, le Racing Club de France. Alors on va passer, on connaît. Bon ben Rennes, je m'attendais pas à ce type d'adversaire, hein, perso. C'est dommage, j'aurais préféré quand même avoir un club étranger, mais bon, c'est pas grave. Rennes, l'important de toute façon, c'est de passer surtout. Et on va essayer de s'imposer à domicile pour bien démarrer cette phase aller-retour. Allez, le coup d'envoi qui est donné par Wai, comme d'habitude. Oh, là-bas, je m'attendais pas à ce qu'il déborde sur le côté. On va laisser Collins y aller. Voilà, pour revenir, heureusement que je l'ai fait. Mais malgré tout, il a quand même gagné le duel. Romagna s'est fait battre. En ce moment, on perd beaucoup de duels aériens. C'est très regrettable. C'est bien. Alors, là, on va chercher une passe en profondeur. Est-ce qu'il aura suffisamment d'angle pour la donner? Ah, ils sont en jeu, non? Ouais, putain. Placez-vous, les gars. Allez, petit retrait pour la garde. Et ça arrive. Ça arrive. Bellucci qui a mis trop de temps. Dommage. Pour l'instant, on n'arrive pas à réussir cette dernière passe. Martial. Je crois qu'il nous avait embêté Rennes en championnat. La parade de Lolo, attention! Et le but en deux temps de Léa Siliki. Allez, Rennes qui sont mieux dans leur 4-4-2. Là, ils jouent bien. Et du mal à les contrer, du mal à relancer. Du mal aussi à réussir la dernière passe pour avoir une vraie occasion. Et assez logiquement, ils ouvrent le score avec cette belle parade de Lolo. Bon, qui a eu de la réussite quand même. Je crois qu'il la sort de la tête ou de l'épaule. Et ensuite... En deux temps, les Siliki qui arrivent à mettre ce ballon dans un angle difficile. Allez, faut réagir. C'est un bon ballon pour Bellucci. Bellucci, AB. On va lui remettre à Bellucci, les gars. Et là encore Ferreira. Le bon contrôle de Ferreira et le capitaine René. C'était Gélin qui a eu le temps de se positionner comme il fallait. Allez, au pressing. Oh, la talonnade, elle est belle.
pour la board qui fait une petite tour. Non, le deuxième. Ah là 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 là, celui-là il fait mal. 2-0 avant l'heure de jeu. Eh, c'est Golovin, non, qui a marqué, je crois. Il est pas modélisé, mais ça semble être Golovin du coup. Ah, c'est, ça va être compliqué, ça va être compliqué ce match. Il va falloir vite réagir en tout cas. Mais superbe talonnade. J'ai essayé, j'ai senti qu'il allait tenter un centre et j'étais venu avec AB. Ensuite Collins qui est trop court. Il y a vraiment des problèmes de marquage dans cet épisode. Yadji, le bon ballon pour Santa Maria. Le problème c'est que là c'est fermé. Ah ouais, il s'en va à chaque fois que je veux lui donner le ballon. C'est un peu dommage. Allez, ça c'est pas mal. Santa Maria, la passe pour Wai, la frappe de Wai en deux temps. Oh là 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 là. On n'a pas de réussite. On va décaler sur le côté gauche, puis le retrouver. Bellotti. Allez, on se concentre à l'enrouler qui passe à côté. Oh, quel dommage. Eh ouais, on peut s'en vouloir. Là, il faut en marquer un. Au moins en marquer un. Camano qui vient de rentrer du coup. Le centre et encore le marquage. Le marquage. Ah, oh, c'est pas possible. Vas-y, je vais rentrer en donner. 3-0, là, c'est... Là, c'est compliqué, là. Là, c'est très compliqué, là. Aïe, 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 aïe. En plus, Rennes, quoi. Une équipe qu'on connaît, qu'on a déjà joué, qu'on a déjà battu. C'est ça qui est frustrant. Oh là là, la tête de Martial. Mais Collins, encore... C'est encore Collins, hein. Il y a deux buts où c'est Collins, hein. Ça, c'est bien. Ferreira, il est pratiquement seul. Le ballon pour Bellotti. Enfin un but. Oh là là, parce que là, 3-0, c'était... Ça me semblait presque pratiquement impossible pour le retour. Au moins une réduction du score. Il nous reste 9 minutes pour en mettre un deuxième. Mais on revient à 2 buts. Oh là là, que c'est compliqué ce match. C'est fou. Hein. C'est fou comme les matchs peuvent être différents. Et Bellotti, l'extérieur du pied, vous avez vu, j'ai vraiment assuré. Hein, parce que je voulais pas être contré encore une fois. J'aurais pu tirer avec Ferreira. Mais je me suis dit, vas-y, je l'assure. Je refais la passe. Et là, Bellotti, la frappe directe. Entrée Maurice pour la fin. 2 minutes. 2 minutes, les gars, pour tenter de faire mieux que ce qu'on est actuellement. Ah, la passe, elle était trop molle. Elle était trop molle. Et malheureusement, ça va se terminer. Oh là là, la passe. Il manquait juste un peu de puissance. Et il y avait pratiquement but. Quel dommage. Quel dommage. Et la défaite 3-1. Clairement, c'était pas un bon match pour nous. Et il va falloir faire un exploit. Un exploit pour aller se qualifier au retour. Au moins, on a réduit le score. Parce que 3-0, c'était horrible. Mais 3-1, c'est mérité. En plus, pour Rennes. Hein. Ils ont été efficaces. Ils ont eu plus d'occasions. Donc, bravo à eux. Allez, on va finir par Lens, du coup, le PSG qui a gagné. On a une conversion de poste, ça c'est pour un jeune. Ah, il a rien gagné. Ah oui, mais c'est normal, c'est parce que je l'avais lancé, parce que je l'avais déjà changé et que je voulais le remettre en MDC, c'était mieux pour moi. Off de pour le poste de sélectionneur, du coup, c'est celui qu'on vient de faire, ouais, c'est ça. C'est bien ça. Hop, off de transfert pour Edgar Nicolas, qui avait rejeté, c'est vrai, l'offre. Précédente, vas-y, je vais quand même négocier. Surtout que c'est un jeune joueur, enfin 25 ans, plutôt jeune, on va dire. Et bon, ils sont d'accord, mais bon, maintenant il a intérêt à accepter parce que je commence à en avoir marre qu'il refuse à chaque fois. Allez, on va enchaîner sur Lens à domicile. On va faire des petits changements, même si mes joueurs sont finalement en forme. Ils ont une endurance qui est beaucoup mieux ces derniers temps, j'ai l'impression. C'est assez, assez bizarre. On va mettre le fort. Est-ce que je mets Prost un petit peu? Ouais, je vais mettre Prost. Prost et puis Andone. Voilà. On va garder quand même, à moins que... Non, pas Andone. On va mettre Duchemin. Non, ou alors... Attendez, je réfléchis. Je réfléchis. Non, on va mettre Duchemin. Allez, vas-y, on va faire ça. On va mettre Duchemin en 10. On va partir comme ça, ouais. Allez. Allez, c'est le dernier match de l'épisode et nous sommes à domicile, toujours la pluie. On va affronter les Lensois. Après ce match nul contre le PSG. Et c'est bon pour Bellotti. Le ballon par-dessus pour Prost. C'est passé finalement. Allez, en deux temps, Prost. Bien joué ça. Duchemin avec Santa Maria. La frappe de Santa Maria qui a été contrée. On va chercher Santa Maria. Duchemin à nouveau. Duchemin qui va trouver la profondeur pour Prost. Qui est bon du pied gauche. Le contrôle de Santa Maria. La reprise de volée. Et cette fois, c'est capté. Santa Maria, est-ce que je peux... Non, on va revenir plutôt là-bas. Ouais, 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 je t'ai vu. Je t'ai vu le superbe appel de la part du chemin. De Duchemin. C'est un très bel appel. Et en plus, le 26 qui marque à la 26e minute. 1-0 face à Lens. Ça fait plaisir de prendre l'avantage maintenant, là. Parce qu'on avait quand même pas mal d'occasions. Bon, Lens qui est pas exceptionnel dans ce début de match, en tout cas. Ils n'ont pas beaucoup d'incursions.
J'ai dit qu'ils n'avaient pas eu trop d'incursions, mais ils sont quand même pas mauvais collectivement les Lensois là. Dans l'échange de passes, vous avez vu, c'est rapide, c'est précis. Et ça va finir en but, et ouais, et voilà. Voilà l'égalisation lensoise à la 42e. L'échange de passes qui était très rapide, très très précis. Comme je le disais, ça se termine en une belle frappe. Je crois qu'il était même pas dans la surface, non, il était à l'entrée, ouais. Ah, s'il était, bon, pratiquement. Pratiquement. Bravo à Lens. Allez, bah écoutez, il n'y a plus qu'à reprendre l'avantage. Hein. Ils ont eu un tir, un but. Ah, super ça. Avec Bellucci. Allez, encore. Encore super. Il est pas hors jeu normalement. Prost, on va essayer de finir. Et là. Oh, la parade et le poteau. Bon, j'étais dans un angle très fermé aussi. Donc c'était difficile de marquer. Mais il a failli. Attention, 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 attention. Il va finir. Oh là 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 là. Qu'on a eu chaud. On a eu très chaud. Ils sont tous là. Les Lensois. Allez, on va essayer d'être patient, trouver la meilleure solution, peut-être ici, Ferreira avec du chemin, la petite passe, je l'ai tenté quand même, et ça a été repoussé, c'est pas terminé, peut-être, du chemin, oh là, la passe, oh là là, dommage. C'était pas l'OM qui l'avait, lui? Allez, attention à ce ballon. S'ils nous en mettent un, oh non, ils vont en mettre un. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible, ça me rappelle l'épisode là qu'on avait fait que perdre. Oh là 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 là, c'est cruel, mais que c'est cruel, que c'est cruel. Ah, c'est horrible cet ordinateur parce que quand c'est la dernière seconde, vous savez que vous allez en prendre un, hein, c'est obligé. Qu'ils ont le ballon dans votre camp et que c'est la dernière seconde, ils sont obligés de marquer. Oh là 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 là, et ouais, j'aurais dû marquer bien avant en fait, hein, pour éviter ça. Et la petite frappe en plus. Ah là là, c'est vraiment dommage quand même. Un épisode qui s'est mal passé quand même. Là, c'était compliqué. On va laisser le PSG nous repasser devant. Aïe, 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 la défaite. 2 buts à 1. Alors que Lens, on les maîtrisait hein, dans ce match. Mais encore une fois, manque d'efficacité. Enfin, encore une fois, 7 fois plutôt, parce que c'est le premier match. Que ça se déroule comme ça. 8 tirs à 4 et Lens qui a gagné. Ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, on va regarder le classement. Mais Paris qui est devant nous, c'est sûr. On aura l'Europa League à aller chercher aussi. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. Bon, on reste quand même dans une très très belle saison, hein, mais cette défaite-là, cette dernière défaite fait très mal. Et celle contre Rennes également, donc 54 points. Le titre n'est pas terminé, loin de là. Mais il faudra faire gaffe. Nice qui est toujours derrière nous, en tout cas. Ok, ok. Eh ben, écoutez, eh ben, ça sera quoi à part Rennes? On a quoi comme prochain match? Après, on a joué pas mal de gros, ouais, remarque, il y a Lyon après. Lyon, Lille, ah non, j'ai rien dit en fait, on n'a pas joué beaucoup de gros hein, cette saison en fait, encore. Il nous reste, enfin sur cette phase retour, il nous reste quand même pas mal de gros matchs à jouer. On verra ça en tout cas au prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé celui-ci, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Maestro, ciao !